Qu'est-ce qu'il veut lui? Yuga, il dit don't dodge. Qu'est-ce qu'il a, frère? Pourquoi je ne joue plus Shaco? Parce qu'il m'a pété les couilles, Shaco. Mais qu'est-ce qu'il a, frère? Pourquoi il veut dodge la partie, ce trou du cul, genre? Il dit même pas, mec, il dit pourquoi ça dodge pas et il dit même pas pourquoi il veut dodge. Tu as combien de chemises? J'en ai 36. Je sais même pas pourquoi j'ai une queen ADC, mec. Il y a des choses qui sont spéciales hein, en diamant. Ouais, mais c'est pas logique. Pourquoi vouloir me prendre Viego pour me faire dodge? Genre, à la base, il y avait rien qui donnait envie de dodge, tu vois, je sais pas. C'est un peu illogique, cette game. Pourquoi tu mutes pas ce chien? Parce que j'aime bien les entendre aboyer. Merci, Joe, pour les 300 bits. So, you start blue, to red, gank. Oh no, you pass away with your clear. Ok. 2 minutes 14, je m'en prends déjà plein la tête. Ouais, 2-14. On me l'a déjà fait à 1-54, mais ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas fait à 2 minutes, quoi. Ah, my bad. Tiens, mais en vrai de vrai, genre no joke, vous êtes tous les jours sur mes lives. Est-ce que vous avez déjà vu une game où je ne me suis pas fait insulter mes morts? Genre vraiment, no joke. Parce que moi, je les vis les games, donc je le sais, je le sais quand je me fais fouler insultes. Mais est-ce que vous vous en rendez compte en tant que viewer que je me fais insulter tous les jours? Tous les jours, mec, je peux jouer un silver, je vais me faire insulter. Merci Benjin, merci Benjin pour le sub. Non, mais c'est un viewer, mec. Jurez-le que c'est un viewer, mec. Ils sont en train de perdre contre Jinx Yumi, mec. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je suis sûr qu'il va me roping dans les prochaines secondes. Là, il peut pas parce qu'il est en cooldown. Là, je le vois bien me ping dans 10 secondes, tu vois. Oh, putain. Encore heureux que je commence au raid pour gank un mort de Ignite en fait. Genre, y'a quoi de suspect dans ça, genre? Le mec joue sans TP au top. Normal que je commence au raid, frérot, ça s'appelle la jungle. Ça s'appelle la connaissance des summoners, Makai. Là, je pourrais même le dive, ce fou furieux, mais... Ouais, j'ai le dive. Y'a... Qu'est-ce qu'il fait Viego là, je le sens là. On peut l'avoir là, moi je vais y aller. Merci pour les bits, monsieur Freaker. Les 500 bits étant bronze, je n'ose pas trop parler, mais je te suis depuis plusieurs mois. Merci pour le fun, ben merci à toi, Play. Après, t'inquiète, gros, j'ai bronze, hein. On a tous commencé quelque part. Ouais. Tu as le droit à la parole, hein, ne t'inquiète pas.
Même les fers peuvent parler, gros. Ben en fait les gars, c'est logique, si vous voyez un top laner sans TP, vous gankez le top en fait. Ça s'appelle une Tekken lane. C'est le mec, il est là pour se battre au top, voilà. Ben s'il passe derrière, il revient plus, c'est le problème de jouer sans TP. Donc oui, tu orientes ton passing pour tuer un Mordekaiser, c'est normal. Voilà. Ok, le slogan qui sert strictement à rien, ça bouge pas. Je sens que la modération. Je me suis chié, exactement, Shazam. Je voulais le prendre manuellement celui-là de canon. Il est où meuf? Frère, c'est normal qu'il meurt pas? Ça fait mal ça. Ce stun il fait mal et ce grapp aussi. Bon du coup je vais vous faire découvrir le nouveau stuff qui se fait beaucoup sur Kha'Zix si la game s'éternise un peu parce que j'ai l'impression qu'elle va vite être open. Bon en même temps j'arrête pas de dire que Trinamer faut pas le jouer en jungle, bon lui il a toujours pas compris. Je suis tombé sur un fan de toi, il m'a mis en mage dans le chat, Spartiate, ah ouh, ben let's go, on va lui faire... Un skin offert pour représentant officiel du clan. Que penses-tu de Samira? Elle a des jolis cheveux. Ciao ciao Twitch, Twitch Decimus. Bonne journée à toi. Bon, 2500 gold, ça fait un peu beaucoup. Le carapateur. Oh, salut! Bah merci pour le leash quoi. De toute façon il était pas loin vu que le carapateur il était tout frais donc je savais qu'il était dans les environs. Ah bah t'es couille, allez hop je rentre à la base plus vite. Allez. Donc je vais vous montrer le stuff à la mode en ce moment sur Kha'Zix, c'est Rush Yumu. Parce qu'en fait la Draktar,
Déjà, c'est God tier, mais en fait, le rush Yumu te permet d'avoir beaucoup plus de déplacement dans le début de jeu, sachant que ça te donne de la vitesse de déplacement en dehors des combats, et ça t'en donne quand tu l'actives, ce qui te permet du coup une meilleure capacité de gank. Et la Draktar en first item, c'est moins value que le reste, en fait. Le problème, c'est que Yumi, ça counter Kha'Zix, quoi. Parce que je perds l'isolé sur elle. Ah ouais, il est lourd, le piège, là. Il y avait un peu d'anticipation, je crois, de la part de... Ça me fume parce qu'on gagne la game, mais le Pyke il continue de ping la Queen, quoi. Ok, petit Ignite dans la tête, non ? Ou pas ? Il va mourir, hein. Là, il va ping parce qu'on l'a pas laissé R à tous les coups. Non. I'm not trolling, qu'est-ce qu'il va faire ça ? Je sais pas, il est possédé, mec, le Pyke. En plus pour les runes, je suis parti sur des runes de scaling, c'est les runes qui se font le plus en fait. Tu maximises ton AD en fait avec Kha'Zix. J'ai que des masteries qui me donnent plus de dégâts. Du coup c'est incroyable pour la version assassin du coup. Parce qu'en gros vous connaissez la mode du Kha'Zix Gore Drinker, donc c'est le côté un peu bruiser of tank. Et là le Kha'Zix assassin est revenu à la mode, du coup faut pas... Pourquoi il demande si cet elo est toujours comme ça? Alors que le mec il est en 0-3 genre. Yumu. Je suis mort je pense. Ok. Merci R19. Tony pour le frame, merci beaucoup. Le Pyke LFT. Ah oui, bah là il faut le saisir l'occasion là, de recruter ce joueur excellent là. Le Pyke qui donne envie de rejoindre une équipe quoi. Les runes, regarde, c'est en bas à gauche, Reika. Voilà, la Yumu me permet d'arriver vite sur la cible. Bon, open, c'est Akali, quoi. Attends, mais qui a doublé, là? C'est Viego, il a tué les deux, là? En vrai, je vais demander à Pyke s'il veut pas rejoindre au Team du Sud, quoi. Il y a un truc à faire. Moisson noir c'est aussi fort, ouais. Après c'est juste que j'ai l'habitude de jouer Electrocute, c'est plus constant en termes de dégâts. Après les deux se font. Ah là il va ping, il est mort. Il a pas eu le temps, miskin. J'ai fait des vidéos dessus, Nixon, sur Volibear si ça t'intéresse. N'hésite pas à check. Sur mon YouTube secondaire, sur mon YouTube principal. T'as plein de vidéos. Ouais, on va prendre ça, hein. Ce qui est bien, c'est que j'aurais pas joué beaucoup Viego là, entre lui qui me le prend au top, le board de tout à l'heure là, autofill. Bientôt une vidéo Viego, ouais ça... Oula, salut. Yumu. Faut que je fasse gaffe, en vrai j'ai mal joué là. Oula. Qu'est-ce qu'elle a la Jinx? La musique me fait trop penser au Seigneur des Anneaux. Ouais, il y a des airs quoi. Pourquoi j'ai pas évolué le E? Parce que le Z est trop fort.
Je joue full dégâts sur les runes adaptatives, double AD et armure. Je prends pas le risque, j'ai un shutdown. La Jinx, je la sens bien là dans ce game, mentalement là. Oh l'exhaust. Le début du drame. En fait, ce qui est bien avec ce stuff, c'est que du coup, tu as énormément de CDR, enfin de hâte, du coup, parce qu'à chaque item légendaire, du coup, t'as de la hâte en plus, t'as de la mobilité, et après, tu peux partir sur le manteau de la nuit ou Cyrilda, si, suivant si tu veux vraiment esquiver un CC ou si tu veux appliquer des gros dégâts avec de la PN. Trinda, I hope your family is die. I go AFK, go win. Et il y a un vote sur Ender là. Ça donne envie en vrai de jouer à LoL quand tu regardes des streamers. Pas mal d'avantages à regarder des streams League of Legends. Ça te détend. Quel perso pour débuter la jungle? Tu as Amu... Ok, ça va FF. Tu as Amumu qui est pas mal. Pourquoi je ne joue pas Red Smite? Parce que le Blue Smite applique l'électrocute. Bon. Une game intéressante. Animal fucking jungler gap. Easy game. Donc là, tu es en train de me dire que dans ce game, le Pyke a insulté tout le monde, la Queen se faisait insulter, le Ryze a run down et a voulu AFK FF, le top m'a pris mon pick en voulant dodge la partie et à la fin de la game lâche un easy game après avoir subi 15 ganks sur la top lane. En fait, il y avait que la Queen qui était sympa en fait. Plaisir quand tu me tiens.